est quelle heure, on parle de quoi? Il est 22h44 et j'ai découvert une capsule d'un ancien temps, bien évidemment, on me dira. J'ai découvert un extrait de live où, alors accrochez-vous bien, il y a Bench & Cigar et Papacito qui vont nous parler d'autisme. Tu vois, tu peux me reprocher plein de trucs, hein, mais en tout cas, les équations que je te présente, en tout cas, à chaque fois, elles sont goldées. Hein. C'est au début, tu me crois pas. Au début, tu me crois pas. Et puis après, je te le fous dans la gueule, et puis tu fais pardon. Voilà, bah oui, bah voilà, tu vois. Donc, du coup, alors, qu'est-ce qui se passe? Tac, 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 tac. Alors, j'ai demandé sur Twitter pourquoi je découvre cet extrait seulement maintenant. Et alors, il faut vous accrocher. Hein. Il faut vous accrocher. Donc, du coup, les protagonistes de cette capsule d'un ancien temps sont Papacito, hein, à gauche. Hein. Vous l'avez sûrement connu parce qu'à un moment... alors, vous le connaissez soit pour ses entretiens chocs, soit parce qu'il a fait une vidéo où il était en train de fusiller un mannequin qui était... aux couleurs de la France insoumise. Et de l'autre côté, il y a Bench & Cigar. Vous devez le connaître parce que ça, c'est il fait partie. Vous savez, vous voyez ces patriotes qui disent oui, la France ci, la France ça, et puis ils se barrent au Texas, en Andorre et toutes ces conneries. Et bah, tu vois, il en fait partie. C'est, quelque part, il est pionnier là-dedans, tu vois. C'est une partie de droit tardé qui est super intéressante, tu veux, qui me fait honte à ma droite, tu veux, mais soit, tu veux. C'est des gars qui te parlent de patriotisme, si tu veux, constamment, mais dès qu'ils ont un peu la thune et qu'ils doivent verser de l'argent, si tu veux, à l'État, ah non, là, les gars, ils se barrent direct. Donc, du coup, comment ça s'appelle? Mais je crois que les deux, ils se sont barrés, on va pas se mentir. C'est Bench ou Cigar. La légende raconte que ça dépend de la moustache. Moi, je ne sais jamais reconnaître Bench de Cigar, hein, mais on verra bien. Oui, c'est deux gros hypocrites, bien évidemment. Et donc, du coup, durant une minute, ils vont nous parler d'autisme. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces deux gaudelureaux? J'adore ce que vous faites, j'ai 18 ans, comment rester street cred en étant autiste? Pardon, je voulais pas rigoler, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Même si ça se voit pas. Pardon, parce que je voulais pas rigoler. D'accord. Non, pardon, mec. Julien, désolé. Franchement, on rigole pas pour ça. C'est juste que ça. D'accord. On va se faire mal. Ma chaîne va être supprimée. Écoute, je suis désolé. Ah, mais pourquoi tu rigoles? C'est toi qui rigole, mais t'es un mongolien, putain! Ah, putain! Je sais pas, mec, je me rends pas compte parce que ça. Je me rends pas compte. Je sais pas, essaye, mais. Essaye! Attends, quoi? Essaye! Non, mais il est sérieux! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Vous vous souvenez de la question? La question, c'est un gamin de 17 ans qui leur a demandé. Alors déjà la question, bon ben voilà, mais bon, si tu regardes Papacito et Bench & Cigar, je peux comprendre que la question te vienne à l'esprit, mais comment on fait pour être street cred en étant autiste? C'était la réponse des deux influenceurs en question. Le « essaye » me flingue le crâne. Comment ça, « essaye » ? Mongolien, putain ! Ah, putain ! Je sais pas, mec, je me rends pas compte parce que ça... Je me rends pas compte. Je sais pas, essaye, mais... Voilà, c'était une capsule d'antan. C'est toujours très instructif, hein, en tout cas. Hein, j'aurais jamais la prétention de dire que mes lives ils sont instructifs, hein, mais en tout cas les leurs, waouh, oh, putain, c'est spécial. Hein, on va pas se mentir. Hein. Vous pouvez lancer des ads, revoir YouTube, vous pouvez liker, commenter, t'abonner, partager, couper l'algorithme, jouer sur Kick ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix ou sur ce que tu veux. Sur ce que tu veux, hein, on va pas se mentir. C'est comment ça, mon ref? Il y avait rien dans la question.
C'est ça qui est ouf. Mais il y avait, mais genre, strictement rien. Bon, il y a un gamin qui pose une question et tout, relativement maladroite, mais comment ça s'appelle ? En même temps, qu'est-ce que tu leur demandes ça à eux, quoi ? Enfin, c'est vraiment pas les plus formés ou les mieux placés pour répondre à ce genre de questions, tu vois. C'est comme tu me l'as posé à moi, tu vois. Comment tu veux que je réponde à ça, quoi ? Mais très bien. Comment je coupe cette merde ? Le bouton rouge. Oui, tout à fait.